New York City, New York City, New York, New York City, New York City, New York. Et oui, nous le week-end là, 1er septembre, nous le New York là. 1er septembre, les bordés aux États-Unis, les bordés la ville de New York de façon toute particulière qui fête grandiosement, surtout avec les Haïtiens. J'ai l'impression que tout le monde qui quitte le pays vient vivre dans New York City, l'immigrant de partout. Je me demande si les Haïtiens pas peuple qui fête et les bordés à plus. Les bordés que nous sommes capables d'assimiler à la fête du travail par nous, c'est à peu près le même concept, c'est la fête du travail aux États-Unis. Donc, week-end, c'est un week-end qui est chargé, c'est un week-end spécial pour Compagnie Directe. Je peux dire que tous les grands cylindres de la musique haïtienne, toutes les grandes formations musicales et également les grands artistes, disons plus simplement, sont présents à l'occasion de ce Libordé. On a parlé de Beijing et Cadillac, on a parlé de Classe, on a parlé de New Look, on a parlé de la folie du moment, on a parlé bien sûr de Zafem. Et il y a également de grands absents, c'est le cas de Disciple, mais Jakout également présent. Donc pratiquement les grands artistes sont à l'affiche, féminin comme masculin. Michel Guillaume également sera présent à New York. Donc son week-end qui chaud. Donc un paquet de global, la compétition est lancée également. Tout le monde a regardé qui balle fait plus monde, notamment à ce à la 1er septembre, les Zafem qui a lancé sauver on l'autre aventure avec ou l'autre back to back, Zafem à l'affiche vendredi et samedi dans le même club. Et puis bon, ce soir, une soirée qui sont une sorte de classique, on est capable de dire musique classe et deux générations musicales. Donc c'est gros causé. Et puis demain soir, Beatles et Zafem, et puis New Look, Beijing, Cadillac, Tony Mix. Donc gros causé. Donc assurez-vous, même la prendre direction et Melrose pour nous regarder Balza, que moi estime que son cadeau pour mes romans, je me souhaite que je ne pas déçu. Et classe avec musique. Donc là, je pense que je vais me régaler. Et d'entrée de jeu, je dirais que les deux formations sont extrêmement motivées pour cette soirée. Donc en route pour Melrose, mesdames, messieurs, on va voir comment cela se passe. Nous sommes à New York pour le compte de Alternative Plus et de Lex Complexe. Allez, mon nom c'est Pipo Saint-Louis. Faites la route avec moi et puis d'apprendre tout ce qui a passé à Soya, la Melrose. Na vota le. Ok, là nous devant Melrose et nous venons pour nous jouer à nous essayons de croiser avec deux trois musiciens. De deux formations musicales. Et puis pour une opinion sur ce fait là, donc nous avons Docteur Farrell avec nous. Et chanteur de son état. Donc, Vandy, on va jouer avec Classe, c'est pratiquement la première fois. Et donc, d'autres jeux. Qui finit vous bien dans jouer à Classe? Oui, c'est un plaisir. Depuis là, on a jazz qui est dans le milieu musical ici. C'est un plaisir pour nous. Surtout l'oreille classe qui sont un jazz qui fait cheminer. Donc on est musique, on a fait des musiques chevronnées. Donc nous allons faire une belle fête à soi, tout le monde vient danser, amuser ou bien. Ok, mais là on va parler de classe musicalement, ça vous présente vous en tant que mélomane. Ah oui, on est mélomane. Non, ça a fait des mélomanes. Mais c'est, pour moi, actuellement, c'est un meilleur groupe qu'à l'Europe. Dans le milieu haïtien, on a dit ça haut et fort. Donc c'est toujours un plaisir pour jouer et partager stage avec un jazz de classe. T'as pour t'as un jazz de classe, c'est le DC, New Look, Zafem, etc. Donc la classe pour moi-même, c'est un meilleur jazz qu'à l'Europe. Ok, et si j'aime pas dire ça, j'aime la meilleure jazz qu'à l'Europe. Musique réputée la génération comme une jazz référence en matière de création musicale. Donc, un peu monde considère que son soirée pour les mélomanes avertis. Est-ce que. Bon, on ne peut pas parler de la ville là, mais on commence à fêter. Soirée pour les mélomanes avertis et vas-y, Farrell. Et les mélomanes devraient s'attendre à quoi ce soir? Bon, en pile musique, comme on dit, je ne vais pas faire ça au bal, je ne fête. Parce que pour tout le monde, quand ils me dit les nostalgiques de musique, quand ils viennent de musique, ils profitent tout pour prendre un peu de sa classe par le côté pour asseoir. Donc, mes romans avertis, moi dis, tout avertis, que asseoir va bien plus le compas. Dans Melrose là. Ok, et vous-même, vous toujours plaît au bas chanteur, sans faire la zone là. Bon, on dit. Donc, tu vas chanter, docteur, ça fait la joie. Mais bon, à ce moment-là, on va essayer, il faut chanter. Ok, merci, Matt. Ok, vite. Allez, merci. Nous, on va bien, merci, ça. Nous, on va bien, quelqu'un.
avec musique classe, soit les mélomanes, les artistes, c'est comme ça que tu fais ça. Donc, premièrement, Kéké, merci d'être vraiment avec vous là pour le festival Amoudou. Merci pour l'accueil là. Vous pouvez nous vous compter, vos amis de François, avec toujours qu'à la vie. C'est un plaisir, et son plaisir pour nous à soi là. Et son bail avec eux. C'est seulement guitariste et belle bonne sécurité avec mon lobby. Mais pour la gente unie, c'est un bon exemple, classé un bon modèle de qui genre, petit jeune, qui genre, aïe, c'est pour faire quoi. Ok. Et quelqu'un qui est un guitariste expérimenté, un musicien qui a une carrière énorme, vous avez dit ça. Et en tant que guitariste, comment on est bien guitariste? Bon, on est deux excellents guitaristes. On est Pozo, Pozo, c'est mon nom qu'on est depuis Haïti. C'est des gens qui ont pu découvrir mon carrière, monsieur. Je sais un guitariste qui touche pas, qui est son bal et qui vraiment mettait un peu de sa musique haïtienne. Mais il y a des petits papiers qui sont jeunes, mais qui pas tellement jeunes. Il y a mis là longtemps. Tu as habité comment c'est long pour payer. Il y a bon pour s'intéresser. Il y a mis depuis les années 94, la musique de l'école. Avec Norman John, des amis qui baillent et des bons journées. Qui est très bon en technologie guitare. Il y a là, bon chef de guitare. Bon chef, deux excellents guitaristes. Ok, donc maintenant vous trois pour nous voir le travail, c'est une classe. Et nous allons faire soir au musicien et au consommateur, au spectateur. Oh, mon Dieu, je suis prêt à ma grand-femme. Ça veut dire que je suis prêt et puis je vais tout faire, relaxer, pour une classe. Ok, thank you. Je suis venu très tôt ce soir, histoire de rencontrer les musiciens. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à un musicien classique qui était pratiquement venu faire check sound un peu plus tôt que musique. Donc nous avons pu écouter et répétition musique, prise de son musique. Et puis on en a profité pour nous faire un petit parler avec deux toiles à musicien classique. Peut-être qu'en fin de soirée, nous avons réussi à faire avec musicien classique. Mais je dois vous dire que si je me base sur check sound, répétition qu'on a fait là, son jazz qui est extrêmement motivé, une belle ambiance. Et je me sens que je vais passer une soirée musicale d'un très bon niveau, connaissant l'extérité musicien classique, savoir-faire, qualité playing, et puis connaissant également le playing de musique, renforcé ce soir quand même par le grand Yves Albert Abel à la basse. C'est un bassiste qui se passe de présentation. Mesdames, messieurs, je dois vous dire que nous partons pour une soirée de rêve musical. Par contre, c'est comme ça que je non. Même senti que je enjoy moi musicalement. Et puis, la mauvaise note de cette soirée, c'est Wester Saint-Louis, tambourineur et de harmonique, et ex-tambourineur de musique, toujours tambourineur de musique. Parce que depuis qu'il y a possibilité, c'est Wester qui est là. Walsley est là tout. Donc, la mauvaise nouvelle pour Wester, c'est que famille Michel en difficulté au niveau de Carrefour-Feuille. Je dis que tout le monde est obligé de quitter Kali. Donc, son deck qui a bien joué à ce moralement, dans des conditions qui. Quand même pas idéal. Alors c'est ça me dit notre job musique là. Même les gars de bail qui a bouleversé ou supposé qu'il y a capacité pour vendre la joie. Même si en dedans c'est la tristesse, mais il faut capable projeter une image de joie. Parce que le monde qui vient garder ou qui a vu la musique, c'est ça qu'on vient chercher. Je viens chercher évasion, je viens chercher plaisir. Donc il n'est pas forcément facile le job ça. Je suis étonné de me souligner ça le reportage ça. Moi-même qui l'a présenté le reportage ça, c'est vrai que je prends un plaisir là. De musique, c'est vrai que je prends plaisir dans faire des classes, mais c'est tout aussi vrai que Under que m'a arraché par rapport à sa monnaie qui a passé à Haïti. Donc une pensée spéciale pour ceux qui sont en Haïti. Donc nous allons retourner et pour la suite de ce reportage d'ici quelques minutes. Et comme on le fait d'habitude, on vous tient informé
point par point de l'évolution de... Parce que ça va tenir nulle part. Alors, classe, nous voulons représenter la culture haïtienne d'un côté passé et nos niveaux que nous avons représenté. Sans nous pas déclarer l'autre artiste, l'autre jazz, parce que nous tous, nous avons fait le même travail. Mes amis, je demande de nous battre un gros bravo pour la culture haïtienne dans la musique haïtienne. Vous savez que White Class représentait chaque chose que fait hier soir là. Je pense que son respect pour comment dire. Respect pour musique, respect pour tout le monde qui travaille pour musique ça. Respect pour promoteur. Oui, je pense que musique là, pas de jeu discorde là-dedans. Je ne comprends pas la musique, musique là, pas de jeu discorde. Musique, musique là, besoin de création, joie musique pour la mélomane. Et à soir, et en soir que classe recevoir le best probable dans le pays, toute la sécurité, les visiteurs sont honneurs sont honneurs au plaisir de la soirée, Haitian Beats, Destiny Enterprises, Chico, Reska, NYHBC, Dido Hakim, pensez que aujourd'hui, sont honneurs pour business musical,
quel que soit le jazz qui recevra ça, c'est honneur à nos bonjour Baptiste, honneur à combattir. Ladies and gentlemen, put your hands together for class, the best commandant of 2023. Beautiful stuff, beautiful stuff. Badon Goubavo. People can be savvy. We have to thank Caribbean Music Award for this award. We have to thank Wyclef, Prince, and his team, Wanda, everybody behind this big event, this big movement. So we want to thank you all. Thank you to the fans, because without y'all, there's no class. So fanatic packing class. No fans, no class. Keep it up. No fans. C'est pas changé, non changé. Comme on le dit souvent, il est pratiquement 3h et quelques minutes. Donc nous pratiquement arrivés à la fin de la soirée. Ça. Et comme c'était prévu, ça a été une soirée magnifique, une très belle soirée. Une soirée musicale de haut niveau avec un état d'esprit extrêmement intéressant au niveau des deux formations. Lorsqu'il y a deux jazz qui ont comme ça, qui n'ont pas gagné idée de gourmet, de polémique, sont ou atmosphère bon enfant, et puis ils ont décontracté. C'est deux jazz qui jouaient extrêmement libre, sans stress. Nous avons assisté à une très bonne performance de musique à la hauteur de sa réputation, avec un Keke qui a été tout simplement sublime ce soir, un Keke qui mettait en évidence toute diversité comme guitariste et également toute dextérité.
Donc les trois chanteurs étaient définitivement dans un très bon mood. Fabrice Souzier égal à lui-même, Walt Slaney sous batterie. Donc ça a été une superbe soirée avec une musique nostalgique, je suis capable de dire. Il y a un peu de monde qui était fréquenté Stekin, la Pétionville. Il y a un peu de monde que nous parlons longtemps. Depuis musique à bruit, nous avons sorti dans tout le monde. Donc, pour la suite, c'était la rentrée de classe. Une soirée très bien présentée par Vaval, qui a fait un excellent travail. Il en a profité au cours de cette soirée pour remettre à la formation classe et le trophée de jazz de l'année. Donc, pratiquement, son plus d'applaudissements. En termes d'affluence, c'était pas la grande foule, c'est pour dire les choses honnêtement. La salle n'était pas remplie, c'était une salle remplie, à mon avis, à 80 ou 85% de ses capacités. Mais compte tenu de la soirée, de balle qu'il a à New York, je pense que c'est tout simplement une très très belle soirée. Et ma grande sélection, Lex est d'accord avec moi. Et d'après moi, c'est une soirée qui a avoisiné entre 8 à 900 personnes. Si nous tapons au chiffre, c'est ça. Donc, performance classe a été superbe. Moment fort dans la soirée, c'est la classe à Bieu David. Vous sentez toute nostalgie, vous sentez tout l'amour, vous sentez toute détresse, vous sentez toute colère. Donc, son musique qui vraiment réveillait en pile bagaille la caille en tant que haïtien. Et donc, Pozo également nous a gratifié d'une très belle soirée à la guitare. Cadelouz en bandition, au pipo totalement et en très bon état. Bon, bref, il ne faut pas dire grand chose. Ça a été une très belle soirée musicale et je pense que c'est une très bonne entame pour débuter ce week-end de Les Bordés. Donc, nous pas plus loin, nous avons conclu tout simplement pour nous dire que nous avons enjoy la soirée musicalement, atmosphère là et ambiance qui était gagnée dedans, la joie que nous pouvons lire sur le visage de pratiquement tous les participants. Ça a été une soirée magnifique, une soirée que je n'oublierai pas de sitôt. Donc, je prends congé de vous et je vous dis merci. Songez à Haïti. Parce que je dis à la, nous dis le Wesley Saint-Louis, viens parler avec moi, dis que pendant que la boue balle là, il y a une famille en Haïti qui est dans la rue, parce que sa famille habite à Corfeuille. J'ai rencontré un autre bonhomme là, qui est business en Haïti. Lui-même travaille dans le tribunal. Il a dû fuir le pays également. Il est venu se plaindre dans cette soirée. J'ai envie de crier carrément. Donc, quel pendant la fête, Alex, et chers auditeurs, chers internautes, pendant la fête, la prophétie nous, là, New York, le Canada, ou bien la prophétie nous, les Bordés, il faut une pensée spéciale pour Haïti, parce que la détresse en Haïti, les rejaillis sont en pile monde dans la diaspora, même le monde a fêté Haïti toujours dans l'esprit. Donc, on mette Haïti dans la prière, nous, on nous parle pour Haïti, on nous dit non à ce qui a passé Haïti. C'est sur notre site que je vais faire mes reportages. À bientôt, c'était Pipo Saint-Louis pour l'Extrême Complexe et pour Alternative Plus. À bientôt. Calme Compagnie Parola, leader sous ma chère depuis 40 l'année, fier pour servir tout client, puis bien chaque jour. Pour transférer l'argent, nous faisons dépôt dans toute banque en Haïti. À Cam, au Cavo et l'argent, dans USA, Canada, République Dominicaine, Bahamas, Turks and Caicos. Pour transférer manger, nous livrer tout partout en Haïti. Et pas oublier mon cash. Une nouvelle façon facile, tout client Cam, Cavo et l'argent, by famille en Haïti. Pour plus d'informations, relayez dans 1-800-934-0440 ou soit aller sur camtransfer.com ou bien visitez bureau Cam qui pipe près au là.